pas un petit truc planqué quelque part là? Super. Merci à Clis pour le Prime, merci beaucoup. Ah non, je peux pas, j'ai cru. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des psychoquacks. Merci Etienne ND pour le Prime, merci beaucoup. Ah, j'ai loupé. Editorine, hein. OMG, arrêtez de dire droite, OMG. Bon, laissez-moi en chier. TTT le chat. Order. Order. Blizzard. Nice. Rire de droite. Merci Spack 7 pour les 16 mois, merci beaucoup. La 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 li 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 li. Tu l'avais déjà capturé, Farfuret ? Oui ! Si je fuis, généralement, c'est que j'ai déjà. De toute façon, vous pouvez le voir avec le symbole de Pokéball. Faut que j'aille où ? Ah. Ouais, mais ça veut dire que je dois quitter cet endroit, quoi. On est où dans la voiture? La 7 badge sur 8. On doit aller au QG de la Team Galaxy. Bien sûr. Oui, j'ai escalade aussi, oui, bien sûr. Oui, mais c'est vrai que j'ai des trucs à escalader plus bas, là. Attendez, j'ai de l'escalade à faire. Oui, je sauvegarderai, vous inquiétez pas. Même si mon PC il crash, la Switch elle est toujours allumée. Il y avait des trucs à escalader plus bas. Si la Switch crash, alors, c'est jamais arrivé, mais ça m'apprendra, quoi. Oh, Castorno. Ça sert à tout, Castorno, hein. Oh là là! Si je peux supporter ce froid, je peux supporter n'importe quelle attaque! Pas tabasser un enfant, ils veulent tabasser des Pokémon d'un enfant. Josué niveau 55, incroyable. Fuito le karatéka. Hein, tu veux dire que c'est fini? Bah oui. C'est rapidos, quoi. Est-ce qu'il y a du mieux en hiver? Numéro 1, le ski. Numéro 2, les Pokémon. J'avoue que ça. Marie-Ange, la skieuse.
Bien joué, bien joué, bien joué à moi. Je suis juste le boss. Je suis juste le patron. Je suis le patron. Oh non. Après, il a une tête de patron en vrai. J'ose le dire. Vous parlez beaucoup de Phil Drong depuis tout à l'heure. Alors je connais de pseudo mais je vois pas qui c'est. C'est un mec, il est très fort à Pokémon, je suppose. Je suppose. Oui. Ouais, en strat notamment. D'accord, plus gros youtubeur PokéFR je pense. D'accord, ok. Sniff. Je connais de nom mais je ne connais pas. Viens. Même si tu me bats, je n'ai pas mon pareil pour remonter la pente. Racaillou, là. Il est fort en stratégie. Très bien. Bah là, c'est un Pokémon de type roche. Du coup, j'utilise de l'eau. Ça va le one-shot, voilà. C'est super efficace. Bah, en termes de stratégie, je suis pas mal non plus, hein, je vais pas vous mentir. Pointeur, Plaie-Croix. Plaie-Croix. Non, putain, ça fait mal, ça. Darnué, hein. Darnué, hein. Ouais. Merci Inkalyut pour les 2 mois, merci beaucoup. Let's gong. Le temps des tempêtes. Voilà, pareil, vous voyez, Gravalanche, c'est un Pokémon roche. Je vais faire surf, il va être one shot. Sauf si évidemment il a fermeté, mais je pense pas, tu vois. Putain, s'il l'avait, tu vois. Sauf que là, la grêle va le tuer. Du coup, c'est comme si je l'avais one shot. Sauf qu'il me fait un tout petit peu mal. Un tout petit peu. Ça suffit maintenant. Bien. Stratégie impeccable. Blizzy. On garde, on le one-shot, hein, Blizzy, on connaît. Griffe acier, hein, ça one-shot. Bien sûr. Merci Armos 274 pour les 11 mois. Du coup, j'ai encouragé Josué. Hop là. Tu es plus intimidant qu'une piste noire. On me l'avait jamais faite celle-là. Une feuille d'herbe mentale. Ça se fume ça, mon petit poteau. PV+, merci Nemagic pour les 3 mois. Comment comptes-tu te battre avec cette neige épaisse? Et toi? Merci Omenzog pour les 8 mois. Geneviève. Un peu de résine de canna. Oh. À ce stade de la compétition. À ce stade de la compétition, vraiment. Merci Heptanol 7 pour les 4 mois.
Les vents de la victoire en tournée. Il n'y avait pas un autre endroit à escalader ? Si. Je me souviens. Je sais. Oh là 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 là. Rire de droite. Merci à la personne anonyme qui a offert un Sebafield, Drong. Du coup. Rire de droite. I know. Putain, oui. Et Osef, hein. Au revoir, la Zik. Incroyable, hein. Meilleure musique du jeu. Hein. Merci, Monsieur Tofu, pour les 8 mois. Wapiz, les 4 mois. Antek-Tek, les 21 mois. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Pam, 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 pam. Pourquoi on peut pas réclamer des subs, c'est nul. Et si tu veux un sub, t'as qu'à le prendre toi-même. On ne quémande pas. Sauf si c'est moi. Moi, je les quémande à l'infini, bien sûr. Donc, à droite, je sais qu'il y a une... Boum. Là, il y en a une. Oui. Merci, Escral, pour Elise, un fois de sub tier 3. Non, en parlant de sub, j'étais en train de l'hype. Si vous avez un prime qui n'est pas utilisé, c'est le moment ou jamais. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'on quémande. Hop là. Il me semble que de l'autre côté, il y avait aussi. Hein. Psycho... Ouh, oui... 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 Merci Usei Kusan pour le prime. Merci beaucoup. Oh oui. Et je crois qu'il y en avait de l'autre côté aussi. Merci Siyama Jilo pour le prime. Merci beaucoup. Attends. Du coup, cette grotte, je l'avais pas du tout. Merci Asurar pour les 5 mois. Zevranou. Les 5 mois. Guleji le Prime, merci beaucoup. Enfin, j'aimerais bien checker 2-3 trucs. Et vous, Psycho, tu peux vraiment la spam à l'infini, c'est la meilleure attaque. Hein. Attends. Ouais, ouais, ouais. Polyroche. Que dis PP Psycho. Oui. Merci le Kane pour les 2 mois. Merci Static Glitch. Pour laisser me faire un sub et mon SVP. Merci Lenayad pour les 7 mois. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un autre truc à escalader de l'autre côté. J'ai peut-être des conneries, mais je crois que oui. Quoi, j'ai jamais... Le mont couronné s'élève jusqu'au ciel. Un jour, je serai aussi grand que lui. J'avais jamais tapé ce mec-là. Il va avoir des Pokémon de niveau 13, non ? Merci Magicien trop cool pour le Prime. Merci Ninjak pour les 6 mois. Niveau 15. Ça, c'est terrible. Je pensais que je l'avais tapé, mais non. Ah, désolé, Alexane. Merci, Alda Basterel, pour le Prime.
Franchement, c'est un Onyx de quel niveau? 15. S'il fait fermeté, je pète un plomb. Je ne pète pas un plomb. Merci Karmash no Jutsu pour le Prime, merci beaucoup. Merci pour tous les subs, merci beaucoup. Et boum. Putain, c'est où? Ah, mais il y a l'autre con en bas là. Ah, mais oui, mais j'ai jamais été là-bas en fait. Qu'est-ce que je fous là, moi? Oh, regarde ces superbes ailes! Armel l'ornithologue! Ouais, ouais, les superbes ailes. Pas si superbes en vrai, les ailes là. Est-ce que j'ai fait l'île de fer? Oui! D'ailleurs, c'est là que j'ai chopé l'œuf que je me trimballe. Mérite un petit coup de bec. Pousse-toi, Josué. Provoque. J'utiliserai jamais cette merde. Josué sur le pont au-dessus, en train de clipper. C'était pas là qu'il y avait le machin? Mais attends, j'ai jamais été là, vraiment. Je suis à Vestigion. Bien ce qu'il me semblait. Bon, ok. Très bien. Allons à Voilaroc. Merci le Morel pour le Prime. Merci beaucoup. Ran tam tararam. À bientôt. Du coup, c'est au nord de la ville, je crois. Ouais, c'est là. C'est le truc avec les téléporteurs. Attends, faisons ça maintenant. Ça, on avait déjà dit tout ça. Ne serait-ce pas sur... Oui, non, mais c'est ça, on l'avait déjà... On l'a déjà dit, en fait. Une clé spéciale. Attends. Tous les membres de la Team Galaxy prendront tout ce que nous pourrons. Oui. J'ai déjà tout dit, hein. Ouais. Attends, faut prendre une autre porte, peut-être. Est-ce que je parle à lui? Faites-moi un peu ses antennes. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles en jettent. Ah oui. Eh, mais je te reconnais! Je parie que tu m'as oublié, mais moi, je me souviens très bien de toi! C'est de ta faute si on m'a pris mon mélofé. Mon partenaire aussi a acheté l'éponge, il est retourné chez lui. Hein? Une clé du hangar? Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, à plus! Il a chié cette merde. Bien joué. Attends, ah non, le hangar, c'est à droite, non? Oh, je sais plus. Putain, la zic. Attends. Le hangar, c'est derrière. Attends. Attends. C'est au fond à gauche, je crois, le hangar. Ah, un truc à escalader là d'ailleurs. Hé hey. Ah non, c'est derrière, c'est là-bas. S. Oui.
Pierre Nuit. Ah, c'est bien ça. Ça fait 5 ans que j'ai rejoint la Team Galaxy et j'attends toujours ma promotion. Bah alors, t'as perdu ton chemin ? Pas du tout, figure-toi. Docteur Alto. Merci Camille pour le Prime, merci beaucoup. Au revoir. Oh Clément, bravo. Rapace. Puissance 120. Ça blesse gravement le lanceur. Putain, ça a l'air vénère, hein. Mais par contre, ça a l'air de faire mal, hein. À la place de Cruel, hein. Allez, vas-y. T'as peut-être perdu ton chemin, mais t'as pas perdu de ce combat. Grrr. Grrr. Une dose de zinc. J'ai trouvé une dose de zinc. T'es le premier qui a réussi à s'infiltrer dans notre QG. Papinox. Merci Loranala pour les 4 mois, merci beaucoup. Au revoir. Crustadel, les 8 mois, merci beaucoup. Ça va pas le tuer, je pense. Ah si. Un coup critique, ouais. Merci Edragal pour le Prime, merci beaucoup. Ouais, je vois, tu frimes juste parce que t'es hyper fort, en fait. C'est exact. C'est exact. Je suis un membre de la Team Galaxy, mais je n'ai même pas de Pokémon. Je suis le sbire des sbires. Mais c'est de ma faute, hein. Je sais toujours pas utiliser les téléporteurs. Le mec, tu le merde. Pour qui tu te prends à saccager notre QG impunément ? Chaglam. C'est toujours plaisir. Il faut avouer que tu es particulièrement doué. Merci beaucoup. Donc les téléporteurs. Pas trop, hein. Je sens que je suis à deux doigts d'obtenir une promotion.
Je vais impressionner le boss en te battant. Il sera bien obligé de reconnaître mes mérites. Chenipote. Le v'là. Et voici Josué avec sa gueule de PDG. Et doum. Merci du coco la noix pour les 3 mois, merci beaucoup. Oh, let's go. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il est plus là maintenant. Serkan Vandrekonov pour les 27 mois d'Azote. J'aimerais que ce combat n'ait jamais eu lieu. Du coup, je sais pas, j'ai peur de rater des trucs. Écoutez, les portes verrouillées ne s'ouvrent qu'avec une clé. Tu peux te dire où elles se trouvent si tu veux. Je rigole, tu m'as pris pour un méchant bête comme dans les films ou quoi? Il est self-aware. Il n'y a que les ignorants comme toi qui osent défier la Team Galaxy. En vrai, je vous roule dessus. Hein. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Ah, étalon du cul, niveau 39. Incroyable. Incroyable, étalon du cul. Ça m'apprendra à ignorer la force de mon adversaire. Et toi, tu as l'air louche. Alerte un intrus. Il est cloquant l'œuf. Je ne sais pas. Ce sera la surprise, justement. Je ne veux pas savoir, comme ça, ce sera une surprise quand je m'y attendrai pas. Et ça me fera plaisir. Ça va pas le tuer à moins de coups critiques. Ça le tue. Et ce n'est pas un coup critique. Ok. On avait un level d'écart, effectivement. J'ai l'impression que les Pokémon dans l'arène de tout à l'heure étaient plus compliqués que les sbires de la Team Galaxy alors que ça se passe après. Comment j'ai pu perdre contre ce gamin si louche? J'avoue, je suis méga louche. Donc, no keys. Ok. Pas trop ce que je fais, hein. Mais je le fais. Et toi? Notre QG est une infrastructure ultra moderne. Les sales mioches comme toi n'ont absolument rien à faire ici. Nestor le scientifique! Seconde, hein. Nestor est clairement malade. Hey.
Il va pas très bien, Nestor. Hein. Il est malade. Oh, je vais niveau 56. Oh, oui, on ne l'arrête plus, on ne l'arrête plus. Hein. Nestor en fast term. Juste en fast term, en fait. C'était bien. Hein. Les Pokémon et toi ne faisiez pas partie de mes calculs. Calcul Reno. Ouais. La Team Galaxy libérera tous les Pokémon de la nature tout entière. Et ensuite, tout nous appartiendra. Mouahaha. Bomberk. Une clé Galaxy. Je crois que c'est un peu du gâchis si c'est là, non? Oh, attends, je vais ouvrir cette porte. Ah oui, elle se casse pas. Ah oui, ok. Donc là, je suis revenu au début. Pam, 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 pam. Personne ne sonne l'alerte. Il y a quelqu'un qui a gueulé alerte, alerte. Hein. Ça n'a servi à rien. Du coup, j'avais pris le téléporteur de gauche, je vais prendre le téléporteur de droite, mais. Juste. Parce que j'ai peur de rater des trucs. Voilà. Ah oui, ça c'est la salle de... Oui. Ébullition. Ce qui est bien, c'est que cette animation elle est plutôt rapide, quoi. Ébullition top tier attaque haut. Ah ouais? Hop là. Éclat magique. Ouais, je pensais que c'était la suite en fait. Mais pas du tout. Comment je vais là? J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Ah non, mais en fait, faut que je crois savoir ce que je dois faire. Attends. Si je sais. J'ai mon idée. J'ai mon idée. Ditorine, hein. Ditorine, bien sûr. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je sérieux. Merci pour le raid. La bise à vous, mes amis, les Québécois. Merci beaucoup. Faut retourner au départ. Écoute, toi, je l'avais compris, mais vu que j'avais dit ne dites rien, tu te prends un time-out de 8 heures. Prends un time-out de 8 heures. Hein? Ah. Ah bah oui. Bah voilà l'œuf! C'est faux, je lui ai mis 600 secondes. Je lui ai mis 600 secondes! Qu'est-ce que c'est? Oh! Let's go! Let's go! Let's go! Et donc lui, il évolue en Lucario, on est d'accord, hein? Comment on l'appelle? Je compte sur vous. Je compte sur vous. Ok, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rivenzi? Mais non. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Le chien. Bon, allez. Là, cette fois,
je vais prendre mes responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités. Et le mot que je vais voir, même si c'est à chier de fou, et ça le sera, ce sera le nom. Je ne pourrai pas me dérober. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Trop d'honneur, hein. Trop d'honneur pour lui, mais... C'est Rayou. Bonjour. Alors attendez, juste avant d'aller dans le bâtiment, je vais faire ça. Et il évolue tout seul en Lucario ou il faut faire un truc particulier ? Ah, c'est au bonheur ! Comment je fais pour... Deux jours. Oh putain. Rire de droite. Mais là je joue de nuit. Bon bah en attendant je vais prendre autre chose pour faire évoluer. Hein. En attendant. Hein. Ah oui, attends, lui. Pokémon plante là. Blizzy. Il évolue tout seul, Blizzy, ou pas? On prend Activision, du coup. Hein. Oui. Okay. Halte là, tu as cru qu'on pouvait entrer ici comme dans un moulin ? Let's gong. Petit laser glace là. Il y a des Pokémon qui évoluent de bonne heure de nuit. Noctali, me dit-on. Il évolue au niveau 40, Blizzy. Me dites pas, laissez-moi... La surprise, j'aime bien ne pas savoir. Bon, maintenant je le sais, c'est pas grave, mais... J'aime bien avoir la surprise quand le Pokémon évolue. Niveau 50 pour Linky! Incroyable. Bravo. Bon, j'ai compris, la voie est libre. Tu dois commencer à fatiguer, non? Maintenant, c'est à la Team Galaxy de briller. Non, ça va, en vrai. Le sbire. Bon, au bout d'un moment, là, le laser glace, je vais plus en avoir beaucoup. Hein. Ils ont que des Ulster Alto. OMG. Ah, voilà! Voilà quelqu'un contre lequel je vais pouvoir utiliser Surf. J'ai juste envie de le toucher, quoi. Bec vrille.
J'aime bien cette petite... ce petit arpège. Quoi, je n'ai rien compris, quelle force ! Bonjour ! Je ne te laisserai pas perturber nos recherches pour la Team Galaxy. Ned ! Ned en fast term également. Il est mal. Il est très mal. Il est très très mal. Pourquoi t'as toujours l'air défoncé, Daniel Antoine ? Je sais pas. C'est ma tête, quoi. J'ai été battu, j'ai l'air pathétique. J'ai l'air pathétique. Nous sommes les seuls à pouvoir offrir la paix de la Team Galaxy. Bien sûr. Donc là j'ai un TP, mais qu'est-ce que j'ai par là ? Oh là là ! Hey ! Voilà, ça va me permettre de défoncer les Nosferalto avec... avec Laser Glass. Alors, ça t'a bien amusé de visiter le QG de la Team Galaxy à ta guise ? Et toi, petit dresseur, on ne parle que de toi dans la Team Galaxy. Il faut dire que celui qui te battra sera promu. Peut-être vous ? Oh, ils en ont pas mal. Si j'envoie ces pointeurs ? Pointeur et Josué ? Oui. Boink, boink. Bravo. Pas mal du tout. Dans le thème de James Bond. Pointeur est blessé, what the fuck les amis. Pointeur est immonde, mais comment vous parlez? Mais regarde, en plus il passe niveau 45. Moufouette. Crapaud d'eau. Hop là. Bien joué, bien joué, bien joué. Oh putain, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ok. Oh, Activision qui monte niveau 33, bravo à lui. Pourquoi moi ? Tu ne me laisses pas faire à ma guise ? Je peux faire une croix sur ma promotion. Oh putain ! Ok, c'est littéralement la fin. On va faire... J'ai eu le bon feeling, mais attends, je veux voir le reste.
Je veux voir le reste. À l'élixir. Non, c'est pas un labyrinthe, en vrai, c'est tranquille. Hein. Je sais où je dois aller. Et là, j'aimerais juste checker des trucs. Y'a rien de caché là, vraiment ? Okay. Le détecteur d'objets à l'abandon. Ah non, c'est de la merde. Hein. Ah non, c'est horrible. Et il y avait d'autres téléporteurs que j'ai pas utilisés, donc je veux le faire. Merci Pierrigno pour le Prime, merci beaucoup. Il y en avait deux là-bas. Rien. C'est énorme. Tous les jeux Pokémon sont aussi simples? Oui. Ok, ça va m'emmener dans la pièce de droite. Pas du tout. Ah, là, oui. Oui. Ça valait le coup de faire cette petite pièce. Le rappel max. Ok, c'est bon. Ceux d'avant étaient bien plus durs. Non, c'est juste que t'avais 6 ans et demi. Hein. Pokémon noir et blanc était un peu plus difficile que la norme. Alors je dis ça, j'ai pas fait noir et blanc. Et Pokémon... En tout cas, tu parles de ceux d'avant. Moi j'ai fait bleu, et j'ai fait argent. Et je peux te dire que c'était tout aussi simple. Hein. Il n'y avait pas le multi-exp. En fait, ça ajoutait une difficulté qui était fastidieuse, je trouve. Hop. Bah alors. Il est là. Je vois, tu dois être le dresseur qui est mentionné dans les rapports que j'ai reçus. Cette tête brûlée qui a choisi de s'opposer à la Team Galaxy. Il paraît que tu as donné du fil à retordre à mes admins. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Je connais la raison de ta venue. Tu es ici pour créer Elf, Créfollet et Créfadet, n'est-ce pas? Ces Pokémon ne me sont plus d'aucune utilité. Si tu souhaites les récupérer, fais donc. Cela m'évitera de devoir m'en débarrasser. Tu es libre d'en faire ce qu'il te plaît. Cependant, je dois admettre que tu es un spécimen remarquable. Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Pourtant, tu viens les secourir par pure compassion. La compassion, cette émotion misérable et illogique, irrationnelle. La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse. C'est cette sentimentalité inepte qui t'amène ici. Je vais te faire regretter d'avoir écouté ton cœur. Helio, le boss de la Team Galaxy. Je vais les one-shot. C'est la dernière arène? Pas du tout. C'est pas une arène. Ce n'est pas une arène. Elle t'a rendu que niveau 40. Par contre, la ligue, c'est plus challenging, non? Paraît-il, oui. Paraît que la ligue n'est pas si simple, et cimetière, il paraît que c'est très dur. Donc on verra. Bah écoutez, c'est super le boss, hein, franchement. C'est mon dernier Pokémon. Et il a chié, putain, je vais le one-shot! T'avais 3 Pokémon légendaires et tu m'envoies ces merdes? Ouais, c'était la Team Galaxy, merci à tous. C'est dans la Team Galaxy. Niveau 50 pour Clément, ceci dit, bien sûr. Waouh.
Il était à chier ce combat en vrai. Moi je m'attendais quand même à un truc un peu plus... mieux. Intéressant, j'irais même jusqu'à dire captivant. Par contre ça rapporte du fric, 7900 putain. Oh let's gong. Oh let's gong. Destrier du fiac. Ah. Galoppa. On va le garder, hein. C'est mon seul Pokémon feu, donc j'aimerais bien le garder quand même. Estocorne. J'ai oublié. Pas mal ça. Ouais. Alors attendez, ça grésille, je vais relancer la capture. Une petite seconde. Une petite seconde. On arrive. C'est imminent. Voilà. Estocorne. Rire de droite. Merci Nakotim pour les 19 mois. Tu es coriace, cela ne fait aucun doute. Et je vois que tu tires ta force de ton amour pour les Pokémon. Quel gâchis! Tes émotions ne sont qu'illusions. Et comme toute illusion, elles s'étiolent jusqu'à ce que la mort les fasse disparaître à tout jamais. Voilà pourquoi je tournais le dos aux émotions et aux sentiments. Mais peu importe, je doute que nous puissions nous comprendre, toi et moi. Je reconnais toutefois que tu as fait preuve de beaucoup de courage en venant jusqu'ici. Seul pour te battre contre moi. Cela mérite bien une récompense. Oh, let's go! Let's go! La Master Ball! La Master Ball est la Pokémon ultime. Elle permet d'attraper à coup sûr n'importe quel Pokémon. Mais elle ne m'est d'aucune utilité. Contrairement à vous autres dresseurs que je ne considère pas les Pokémon comme des partenaires. Et je ne les utilise pas comme des objets, comme le font les membres de la Team Galaxy. Non, je fais en sorte que leur puissance soit mienne. Bah c'est raté. Hein. Tu souhaites sauver les Pokémon des lacs, emprunte ce téléporteur. Pour ma part, je vais me rendre au Mont Couronné. Oui, le lieu de notre première rencontre. Je gravirai la montagne pour enclencher la fin du monde. Ou devrais-je dire sa renaissance. Bro. Donc c'est pas fini contre lui. Merci Goroleba pour les 5 mois. Kurama MR pour le Prime. Herbert von Choucroute le Prime. J'ai coopéré avec la Team Galaxy, mais cette expérience dépasse les bornes. Metroid. Littéralement Metroid. Aucune différence. Je n'ai rien à dire pour notre défense. Mais cette chose que nous avons créée, à quoi va-t-elle servir? Donc les voilà. Créel fait enfermer, ses yeux sont clous, il a l'air de souffrir. Créfolet est enfermé, sa queue est contracte. Se contracte, il a l'air de souffrir. Créfalet est enfermé, son corps tremble, il a l'air de souffrir. Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon. Décidément, je dois dire que la logique du chef ne m'échappe. Si la Team Galaxy prend ce dont elle a besoin et élimine le reste, pourquoi le chef laisserait-il un enfant comme toi aller où bon lui semble? Très bien. Puisque tu as eu le courage de venir jusqu'ici, je vais t'accueillir comme il se doit. Tu as payé pour l'affront que tu m'as fait au lac. Saturne. Saturne. Mathieu Chédid veut se battre, tout à fait. Hop là. Quatox. Quatox. C'est l'évolution de Crapaudo? Oui. Il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Dégage. Dégage.
Bravo. Niveau 57 pour Josué. Je dois admettre que tu es coriace, mais il en faut plus pour gagner mon respect. Mec, je te one-shot tous tes Pokémon. Qu'est-ce que tu veux? Ah, d'où vient cette puissance? Soit, fais ce que tu veux de ces trois Pokémon. Il suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Je vais appuyer sur le bouton pour libérer les Pokémon. Oui. Vous libérez les Pokémon en appuyant sur le bouton. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a extrait des trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. C'est tout ce que je sais. Qui sait ce qu'il compte faire là-haut? Oh non. Ça sent pas bon du tout, cette histoire. Ils sont tous barrés. Hein. Où est la sortie? Là. Du coup, alors déjà, je vais sauvegarder. Et du coup, là maintenant, faut que j'aille où? Merde, non. Le mont couronné, tout simplement. Mais par où? Comment j'y vais? Faut que je monte par là, je pense. Je vais aller au Nyonpolis. Ouais, dites rien. Attends, je vais les soigner. C'est une technique pour y aller là. Bon bah, on va trouver. Atob. Attends, c'est par là ou c'est à gauche? Non, c'est à gauche. Merde. Ah. Non, c'est par au-dessus. Tu ressembles à Grégoire du Palmacho. Pas du tout. On me l'avait jamais dit ça. Ah non 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 dégage dégage au revoir. Ciao bye. Ah non non pas cette merde. Comment on fait pour sortir à gauche ici? C'est pas possible là. Ah c'est par en dessous. Merci WSRS pour le Prime, merci beaucoup. Ouais, là. On m'appelle Lameku. Bats-toi contre moi, yolalari. C'est parti. Marcel le montagnard. Putain, des Nosferalto, mais... J-Pep, hein. J-Pep des Nosferalto, hein. J'aurais dû mettre Echo. C'est la seule fois où j'aurais dû le mettre.
Et boum. Super. Bravo. Ah, bien joué. Oh, il va faire son truc, enfin, il va avoir son talent de fermeté. Oui. Vachement bien. Allez. On se dit à plus, hein. À plus sous le Vaxibus. Yo la la. En fait, il y avait que lui là-haut, il y a que ça. Ouais, je vais péter les rocs. Ouais, merci beaucoup pour le conseil, bro. Je sais pas. Ah, mais salut, toi. Je vais te pêcher. What the fuck, bro? Ludovic le pêcheur. Oh, les belles barloches. Je ne change rien. Je ne change rien. Merci Garten Tractor pour les 5 mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien joué. Bravo. Allez, on s'accroche. Avec moi, le maître mot est retenu. Un concept que j'applique surtout en combat. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Marrant, ça. Par contre, je sais pas par où aller, hein. Il y a écrit Zob. Alors attends. Là je pourrais monter là. Oui, cascade, je m'en doute. Hein. Je ne vais pas mettre de repousse au cas où je tomberais sur un shiny. Il examine mes choix vestimentaires, Josué. Mais tu t'es vu, Josué? Oui, une chance sur 4000 et quelques. Ça, c'est bien. Alors attends. Oh bravo! Un caillou shiny bien sûr. Let's go.
Une dose de protéines. Damn. Attention, fais pas de la merde. Relou. Il a déjà rencontré un shiny depuis le début? Jamais pour l'instant. Merci Albion17 pour les 18 mois, merci beaucoup. Hop là. Stylé. Sombre la cam, non? Oui. Il y a une de mes lumières qui a pas voulu s'allumer. Mais on est plus à ça près, hein. Gros caillou, le. Attention, Max. Plaisir. Corde sortie. Je possède déjà. Il est cool, lui, en vrai. Attends. Mais je me souviens de cet endroit, attends. Et voilà. Une dose de fer. Ça vaut pas le coup de les OS pour l'XP. Je préfère déjà économiser mes PP. En plus de ça, enfin, c'est vraiment je trouve que c'est un peu une perte de temps. Ils rapporteront pas assez de façon, je pense. C'est pas très intéressant. Là au-dessus. Éboulement. OS one shot. Et tué en un coup, quoi. Un rappel. Rire de droite. Merci El Tabrel Yest pour les 9 mois, merci beaucoup. Ok. Oula. Et oh. Nous les sbires avons été investis de deux nobles missions. 1. Nous assurer du succès de notre opération. 2. Détruire quiconque oserait s'interposer. Nosferalto. Charmillon. Ok. Bravo. Un beau combat. Close game. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. Non, je pense que le bon chemin c'est là-haut, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a à droite. Oh, un dessous de plat énorme. Ah, il y en a ici, c'est cool. Hein. Sauf que je l'ai déjà, mais... Gigabader la musique. Notre heure est enfin venue. Nous allons pouvoir entrer dans l'ère de la Team Galaxy. Allez, Nosferalto, lance ton Nosferalto. Encore ? Pas bien. Ah non, pas encore. Non. Stum, 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 stum.
Qui surf? Allez, salut le sbire. Petite question, utilise un autre Pokémon que Josué des fois pas là, non? Sur l'arène de tout à l'heure, on l'avait fait, on avait utilisé Clément et Étalon du cul. Il faut croire que mon arbre à moi n'est pas encore venu. Mais oui, mais du coup, Bah oui, mais du coup, je suis en train de faire évoluer, l'autre con, là. Ah oui, mais t'es déjà niveau 40, toi. Du coup, je vais remplacer Activision par lui, hein. J'arrive à l'avoir, oui. Oh, ça va me casser les couilles cette histoire. Ouh, il va être chiant. Attends, je vais lui faire le pas très efficace surf. Oh non, t'es con. Oh, t'es très con. Non, pourquoi t'as fait ça, espèce d'idiot? Pourquoi t'as fait ça, espèce d'idiot? Tout va bien. Si ça marche pas, je suis un Master Ball. Dommage. Du coup, Blizzard Roi, bah qu'on va changer, hein. On va virer Activision. C'est Brassens. Je l'avais pas déjà appelé Brassens, donc... Et j'avoue, le... Je suis désolé, mais... Mais c'est... Ouais, je suis désolé, mais... Attends. Ouais, en tous les cas, faut que je grimpe.
Putain, je sais pas du tout par où aller. Oui, c'est bien. Il va y avoir que ça, c'est ça? Ah non, il y a aussi cette merde que j'ai. Est-ce que je pense refaire du First Class Trouble avec les autres prochainement? Oui. Je sais pas quand, mais oui. Là, il y a un objet à 100%. Gong. Du coup, il y a deux entrées. Plus un chemin pour monter, quoi. Y'a quoi là-haut? Une pépite. Là, il me faudrait cascade. Bravo pour vos points de chaîne. Et là, il me faudrait cascade. Ok, je peux rien faire ici. Donc ça, c'est vraiment pour choper un truc qui est derrière la cascade. Probablement un truc important. Ah oui, mais toi, tu sers plus à rien maintenant. Ah si, salutations distinguées pour les 5 mois. Je t'avais pas remercié, je crois. Merci beaucoup. Ok. Inintéressant. De chaîne, si seulement je touchais de l'argent dessus, quoi. Ah si, rock'n'roll tout seed pour le prime. Notre rapproche, une rien que pour nous. On va remonter le temps vers une époque sans Pokémon. Oh damn, oh boy. Oh boy. Je n'ose imaginer un monde sans Pokémon. Le regard pour les 5 mois, merci beaucoup. Ah, ça manquait Nosferatu Alto. Je me disais. Bravo. Arg. Arg, a-t-il déclaré. Il a déclaré Arg. La Team Galaxy est toute puissante. Il faudrait être fou pour oser nous défier. GG. C'est parti.
Bien joué. Bien joué. Parabadam. Ah, Nosferalto, bien sûr. Pim pam parapapam. Pourquoi pointeur? Parce qu'il pointe. Il a des pics. Il a une aiguille. Bravo. Tu veux dire qu'il faudrait être encore plus fou pour ne pas oser nous défier? Exactement. Ouais. Ah mais ouais, c'est ça l'entrée. Hein. Ça mène vers Mewtwo ça, hein, 100% bien sûr. Un par en dessous. Ah oui, oui. Flaf. Tu fuis, Josué. Vivement le shiny. Hein. On attend. Tu n'as pas parlé aux gens que tu as battu dans le jeu. Non mais c'est bon. Au bout d'un moment, on a suffisamment discuté. Mais attendez... Ah non, j'ai cru que c'était... Ah non, pas du tout. Sortir ça. Il y a une autre grotte là. Cool. Mais attends, je dois aller où là? En haut, en bas? Me dites rien. Dites rien. J'avoue, j'aurais dû regarder ma carte. C'est notre opération finale. Nous ne laisserons personne s'interposer. Bien sûr. Le sbire. Nosferalto, pitié. Oui. Ah oui. Ils ont les Nosferalto dans cette team, hein. Oh. Merci Mad Max pour les 3 mois. Je n'ai pas pu t'empêcher de t'interposer. Mais du coup, attends, je vais essayer là-haut aussi. Ah mais oui, bah. Oh non, il faut que j'aille à l'intérieur. Mais alors attends, du coup, je vais quand même aller voir au-dessus. Je suis bien curieux. Mais là, il y a aussi... Putain, mais... Je sais pas ce qui se passe là, hein. Mais let's gong. C'est labyrinthique, hein, vraiment. Mais putain, mais c'est le bon chemin ou quoi? Notre boss fait un truc super important au sommet et moi je dois m'occuper des gêneurs. Alors s'il te plaît, perds ce combat en vitesse au lieu de casser l'ambiance.
en fait, c'est le bon chemin ou c'est le... OMG. On voit ton Osferalto tout de suite. Ou un Archéomir, bien sûr. Soit l'un, soit l'autre, soit votre papillon de merde, là. Casseur d'ambiance, qu'est-ce que j'ai cassé l'ambiance? Pourquoi? Ah, elle a dit ça! Boum, boum, boum. Chaglam! Mais t'étais censé perdre! J'en peux plus. La musique est cursed pour quelle raison? Fais F5. Problème d'encodage. Si tu fais F5, ça devrait être résolu. Putain, mais je sais pas. La Team Galaxy va prendre le contrôle de tout! Tu as beau essayer de nous arrêter tout seul, tu n'es pas de taille contre nous. Oh que si. En vrai, vous imaginez si je roulais pas sur le jeu, comment ce serait long. Bien joué. Tout ce que tu m'as fait connaître, c'est le goût de la défaite. Écoutez, je vais continuer sur ce chemin, mais... J'ai peur que ce soit le... Ah, ça m'a l'air d'être le bon chemin, ouais. C'est déjà bien d'être arrivé jusqu'ici. Tu as fait de ton mieux. Et maintenant, je vais te mettre en pièce et tu vas bien vite rentrer chez toi. Ok, je vais revenir en arrière parce que je pense que c'est le bon chemin. Ah oui, j'en peux plus. Je n'en peux plus de la Team Galaxy et de leur Nosferalto. Merci à tous pour la définition de Nosferalto. N'hésitez pas à continuer à dire au cas où les gens ne l'auraient pas capté. Ah, ça fera plus de difficultés. Hein. Josué expulse de l'eau. En train d'expulser de l'eau. Comment oses-tu? C'est ainsi que tu me remercies de ma générosité? On est en arrière. Allez, c'est un shiny 100%. Ah oui, regardez. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, le shiny, là. Oh, le shiny.
jure, le shiny. Ah, mais je peux pas aller derrière. Ah si, non. Y'a pas de... Ah. Bah je vais aller dans l'autre grotte. Je pensais que je pouvais aller en dessous, mais en fait, non pas du tout. Merci, tu utilises Dream pour le Prime, merci beaucoup. Y'a quoi ici? Ça apparemment pas le... Ça c'est un chemin alternatif. Je sais pas hein. Un gros champi là. Okay. Super. Super. Super, 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 super. Tu te rends compte que par ta faute, les membres de la Team Galaxy souffrent ? OMG. Putain, elle a trois Pokémon, Nosferalto, le dessous de plat et le papillon de merde. Presque. Ah, le Charmeleon. Voilà le papillon de merde. Il manque le Nosferalto ou le dessous de plat juste après. Et là, on aura la totalité. Allez. Ah, Brassens qui passe niveau 41. Armulis ! What the fuck ? Trop bien ceci dit, hein. Je suis vraiment content là pour le coup de le voir. Trop stylé Armulis. Il est incroyable visuellement. Elle a toutes les évolutions, tout à fait. Béboule. Cette grotte en bas là. Le Gravalanche là. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies suivis jusqu'ici. Ok, voyons voir ce que tu vaux. Il va avoir pareil, mais l'autre... Ah non. Ok, let's go. Ah non, c'est pas cool ça. C'est vraiment pas sympa. Bravo. Mireille Mathieu, le mec. Mireille Mathieu. Ah, ok. Hop là.
Bravo pour l'amour. Je t'aime, Josué. Je vais te faire le fiac. Je vais te faire le fiac, Josué. Moufouette. Je vais te faire le fiac, Josué. Je vais te faire le fiac, Josué. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surf. Hop là. Bien joué. C'est très, très bien joué de ma part. Bien joué. Oh, 1-1-1-1-1-1. D'où tu sors ce talent? Hey, bro. C'est inné, bro. Oh, je vais. Hein. Il y avait certainement un truc là-haut, mais Osef. Je suis trop curieux. Je suis perdu, et ce, pour de bon. S'il te plaît, ne fais pas attention à moi, je ne suis qu'un sbire sans Pokémon. Mais je veux pas te casser. Je veux pas te casser. Laisse-moi entrer. Putain, le seul sbire qui me donne du fil à retordre, c'est le seul qui n'a pas de Pokémon, quoi. Bon bah ok, bah cette grotte c'est pour plus tard hein. Bravo. Donc c'est bien par là, allons-y.